Laurent Ruquier fou amoureux d'Hugo Manos. Ils se confient sur leur grosse différence d'âge. Laurent Ruquier file le parfait amour avec Hugo Manos. L'animateur vient de se confier sur leur histoire et sur leur grande différence d'âge. Les téléspectateurs ont été déçus de ne pas revoir Laurent Ruquier cette année à la tête d'On est en direct. En effet, l'animateur a cédé la place à sa consœur Léa Salamé. Mais pour autant, il n'est pas inactif et déborde toujours de projets. Parallèlement à la présentation des grosses têtes des enfants de la télé, il vient de lancer un nouveau talk show sur Paris Première, intitulé Club Première. Il vient aussi de présenter Hier, Aujourd'hui, Demain sur France 2. Alors, ne serait-ce pas l'amour qui donnerait des ailes et de l'inspiration à l'animateur? En effet, ce dernier partage la vie du beau Hugo Manos depuis maintenant 4 ans. Si l'on sut rester discret les premiers temps, leur histoire a été révélée au grand jour l'année dernière. Laurent Ruquier avait alors publié des vidéos de son couple sur TikTok. Il avait même pu se justifier dans les colonnes de télé 2 semaines, « Il n'y a rien de mystérieux dans notre histoire. Elle a été dévoilée au bout de 4 ans. Au moins nous avons été tranquilles un bon moment. » Mais au-delà de la surprise de cette nouvelle relation, c'est surtout la différence d'âge entre les deux amoureux qui a interrogé les médias et le grand public. Laurent Ruquier et Hugo Manos en phase malgré leur écart d'âge. Laurent Ruquier et Hugo Manos sont en effet 25 ans d'écart, ce qui ne semble déranger ni l'un ni l'autre. « Je ne me lasse jamais d'être avec lui, d'échanger, de débattre, de partager nos points de vue. Je ne me vois absolument pas comme un petit jeune à côté de lui », avait confié Hugo Manos à Télé 2 semaines. Mais dernièrement, c'est Laurent Ruquier lui-même qui a abordé cette question de l'âge dans Voici. Il a 34 ans, ce n'est pas un gamin non plus. Et puis je pense sincèrement que l'amour n'a pas d'âge, a-t-il affirmé. Avant de conclure avec l'humour qu'on lui connaît, je crois que c'est d'abord une histoire de rencontre, et puis j'ai toujours été attirée par la beauté. Crochet ouvrant, crochet fermant. On ne m'a jamais autant dit que j'étais beau. Donc Hugo a de la chance de me rencontrer maintenant plutôt qu'à 30 ans. L'amour semble vraiment planer au-dessus de ses